Bonsoir, bonjour tout le monde. Quelle joie d'être ensemble ce soir ou aujourd'hui pour pouvoir louer, adorer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale, très, très spéciale, parce que comme vous avez pu voir, on a une invitée avec nous. C'est la première fois que nous avons une invitée et c'est vraiment un honneur aujourd'hui de pouvoir avoir la maman de la maison, Pasteur Mathilde. Ouais. C'est une femme extraordinaire, une mère extraordinaire et elle porte vraiment la guérison. Et aujourd'hui, c'est un temps de louange, mais on s'attend vraiment à une touche particulière de Amen. Guérison, de guérison de cœur, guérison d'âme, mais guérison physique. Dieu est celui qui guérit et quand on le loue, quand on l'adore, il y a des choses extraordinaires qui prennent place parce que quand on fixe nos yeux vers lui, tout le reste est bouleversé par son amour. Notre corps est transformé parce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes et avec lui, tout est possible. Si Jésus n'est pas malade, nous ne sommes pas malades. Amen. Et la puissance de Dieu est ici. Amen. Merci beaucoup. Quel honneur. Quel honneur. Merci beaucoup, Pasteur Émilie, Pasteur Sam. Et la présence de Dieu est au rendez-vous. J'aimerais vous dire que vraiment Jésus veut vous toucher aujourd'hui. Et on ressent vraiment sa paix. On ressent vraiment sa paix ici. Et c'est qu'est-ce qu'on veut relâcher? C'est la paix. Et dans sa paix, c'est le shalom de Dieu où il n'y a absolument rien de manquant et rien de brisé. Je crois vraiment qu'on va avoir un temps où le Saint-Esprit va venir vous toucher personnellement dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. Et vraiment, c'est merveilleux. Merci de m'accueillir. C'est super. Et vraiment, je relâche vraiment un moment spécial dans la présence de Jésus aujourd'hui. Oh, sur vous. C'est tellement une joie. Alors, je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez simplement écrire un petit mot d'amour à Pasteur Mathilde, le mot d'appréciation. On est tellement heureux et c'est un privilège de pouvoir t'accueillir. Et j'avais à cœur de pouvoir lire un psaume. Et c'est un psaume de David. Donc, c'est juste pour vous remettre dans le contexte, les psaumes, c'est tous des chants. Et c'est un psaume de David, le psaume 103 qui dit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse en ses noms. » Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe et qui te couronne de bonté et de compassion. Et puis, je trouvais ça tellement incroyable parce que depuis le début qu'on préparait ce temps avec Pasteur Mathilde, on sentait vraiment qu'il y avait une onction spéciale. Bien, il y a une onction spéciale de guérison sur la vie de Pasteur Mathilde. Et on veut l'honorer et à ce moment-là, lorsque quelqu'un se rajoute, exemple sur le plateau comme ici, pour faire la louange, mais son onction aussi est relâchée. Donc, on sentait vraiment qu'aujourd'hui, il y avait une onction spéciale pour la guérison. Et puis, je voulais avoir ton opinion, Pasteur Mathilde, parce que c'est un chant que David chantait. C'est un chant qui dit que tu guéris toutes nos maladies. Et puis, je voulais savoir comment que toi, ou comment qu'on se positionne, ou comment que à travers les chants, Dieu pourrait opérer notre guérison. Très bonne question. Alléluia. Eh bien, maintenant, en Jésus-Christ, ce psaume a été écrit avant la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu et il a tout accompli à la croix. Et vraiment, tout a été acquis. Donc, Jésus a payé, il a renversé la malédiction de la maladie. Il a renversé la malédiction de notre séparation éternelle d'avec Dieu. Il a renversé la malédiction de la pauvreté. Il a renversé tout ce qui est sous la malédiction. Et quand on le loue, il y a quelque chose qui se passe dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, où je place ma foi dans l'œuvre de la croix. Je place ma foi dans ce que Jésus a fait et j'appelle à l'existence la manifestation de ma guérison. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas et je le remercie déjà pour ce qu'il a fait. Et quand j'entre dans ses actions de grâce, quand je l'élève au-dessus des symptômes, quand j'élève Jésus au-dessus de la maladie, quand je l'élève au-dessus des circonstances et que je déclare qu'il est roi, qu'il est le Seigneur sur ma vie, sur mon corps, eh bien, je lui donne toute la place pour opérer l'œuvre de la croix dans mon corps et dans ma vie.
et dans mes circonstances et dans ma famille. Et aujourd'hui, on veut vraiment vous inviter à entrer dans sa présence malgré les circonstances, malgré ce que vous vivez en ce moment, et on veut vous amener dans les lieux célestes. On va monter plus haut ensemble. On va aller en haut, on va aller dans la présence du roi de gloire, là où tout est parfait. Alléluia. En lui, nous avons été guéris. En lui, nous sommes rachetés. En lui, nous avons la paix. En lui, nous sommes, alléluia, des créatures parfaites célestes. Alléluia, en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Juste continuer dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Vous savez, juste avant qu'on commence le live, j'avais vraiment l'histoire de, dans Actes 16, quand Paul et Silas étaient, ont été mis dans une prison et ils ont simplement commencé, ça dit dans la parole, qu'ils ont commencé à louer et prier. Et pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils adoraient, il y a un tremblement de terre. Tout a été transformé, les chaînes sont tombées, et pas juste pour eux, mais pour toutes les gens qui étaient dans la prison. Donc aujourd'hui, pendant qu'on va l'adorer, attendez-vous à Dieu pour vous, mais pour toutes les gens qui sont autour de vous. Attendez-vous à Dieu pour vous, mais aussi pour votre famille. Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Jésus, tu es ici. Alléluia. Oui, Jésus, tu es ici. Tu es ici. Oh oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Sauveur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, merveilleux Seigneur. Merveilleux Sauveur, nous t'adorons.
merveilleux Seigneur ensemble. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Oh, merveilleux Sauveur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus. Adorons, merveilleux Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous qui pardonne mes fautes, me
guérir de toute maladie. Oh oui, c'est qui tu es. Alléluia. Il me couvre de tendresse et d'amour. Je peux m'envoler comme l'air. Oui, c'est qui tu es. Celui qui me guide. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. En toi je suis guéri. En toi je suis béni. Fais ton œuvre. Je reçois qu'il y en a qui reçoivent vraiment le psaume 103 où ça dit il délivre ta vie de la tombe. Amen. Alléluia. Peut-être on a prononcé des paroles de mort sur toi, mais aujourd'hui nous voulons prononcer la vie et nous relâchons la vie. Nous déclarons, je déclare que tu ne mourras pas, mais tu vas vivre et tu déclareras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Oui, tu vivras. Déclarera la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Oui, tu vivras pour raconter la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Oui, tu vivras. Tu vivras, oh oui, tu vivras, tu vivras. En paix, dans le bien-être, en Jésus-Christ, oui, tu vivras. Dans la paix, oui, tu vivras. Dans le bonheur, oui, tu vivras. Dans la santé, alléluia. Tu vivras dans la paix, oui, tu vivras dans le bonheur, oui, tu vivras dans la santé.
tous les jours de ta vie. C'est ce que la parole déclare sur toi. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tu vivras. Et tu vivras. Tu vivras. Ce cantique, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je vivrai pour raconter ses merveilles. Les merveilles du Très-Haut. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Oui, toute ma vie, je louerai l'Éternel de tout. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout. Je raconterai toute ma vie, toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai de tout mon cœur, de tout. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Oui, tu es ma joie. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je ferai de toi le sujet. Je ferai de toi
je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Car tu es mon plus grand délice, rien ne vaut ta présence. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qu'il y a dans ton cœur, fais de l'éternel ton plus grand trésor. Il te donnera ce que ton cœur désire, ce que ton cœur désire. Alléluia. 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 Oui, sa paix est ton partage, oui, sa paix t'environne, qu'elle vienne sur toi et te comble de sa présence, oui, sa paix, oui, sa paix. Il n'y a rien comme sa paix. Il n'y a rien comme sa paix. Alléluia. Il n'y a rien comme sa paix. Il n'y a rien comme sa paix. Il n'y a rien comme ta paix, Jésus. 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 Il n'y a rien comme ta paix. Il n'y a rien comme ta paix. Oui, je reçois ta paix, Jésus. Comme ta paix, Jésus. Est-ce qu'on peut chanter « Je reçois ta paix » ? Oui, je reçois ta paix, Jésus. 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 Merveilleux.
Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Dieu, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons, alléluia. Prosternés, nous t'adorons, Seigneur. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Près de ton cœur, je trouve le bonheur et la grâce.
de ton cœur, près de ton cœur, je trouve le bonheur. Alléluia. Près de ton cœur, je ne vacille pas, je ne vacille pas. Tout près de ton cœur, je suis en paix, je suis en paix. Tout près de ton cœur, près de ton cœur, je ne suis point ébranlé, je ne suis point ébranlé. Tout près de ton cœur, tout près de ton cœur, oui, je suis en paix, je suis en paix. Tout près de ton cœur, oui, dans ta présence, je trouve le bonheur. Tout près de ton cœur, près de ton cœur, je suis en paix, je suis en paix. Oui, répète après nous, alléluia. Tout près de ton cœur, je suis en paix. Près de ton cœur, je suis en paix. Près de ton cœur, je suis guéri. Tout près de ton cœur, je ne vacille pas. Je suis restauré. Je suis restauré. Oh, tout près de ton cœur, je suis restauré. Entièrement restauré. Tout près de ton cœur, je suis guéri. Je suis guéri. Tout près de ton cœur, près de ton cœur, je suis délivré. Je suis délivré de tous mes ennemis. Tout près de ton cœur, je suis transformé. Je suis transformé. Oui, tout près de ton cœur, tout près de ton cœur, je suis, je suis guéri. Je suis guéri. Tout près de ton cœur, alléluia. Je suis béni, totalement béni. Je suis béni, richement béni. Je suis béni, richement béni. Reçois ta paix tout près de son cœur. Amen. Le Seigneur vous touche maintenant, là où vous êtes. Il vous restaure, il vous guérit de tout traumatisme. Au cœur de sa présence, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Touche maintenant. Vous êtes complètement restauré. Tout traumatisme dans le nom de Jésus. Son amour parfait bannit toutes vos craintes. Au cœur de sa présence, il vient nettoyer. Il vient restaurer. Peut-être vous êtes en train d'écouter et vous pleurez, vous pleurez. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les larmes, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nettoyer. Des fois, on ne le sait pas, on ne comprend pas toujours. Mais on laisse aller, laissez aller dans son esprit. S'il y a des larmes qui coulent, laissez aller. Laissez le Saint-Esprit vous transformer, vous nettoyer, vous guérir, vous restaurer. Car au cœur de sa présence, il nous donne sa vie. En échange de nos peines, la grandeur de Dieu est manifestée sur vous maintenant. La puissance de Dieu est manifestée. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es
vie de mon corps. Tu es grand, Seigneur, et tu règnes sur ma vie maintenant. Tu es grand, Seigneur, et je te donne tout. Oh, oui, tu es grand, Seigneur. Alléluia, viens régner, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu renouvelles mon corps. Tu es grand, Seigneur. Jésus, tu es grand, digne de louange. Guérison est là.
te touche, car sa puissance est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main, car sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oui, sa paix est là. Oui, sa paix est là. Et sa main te touche maintenant. Sa main nous touche. Il te fait du bien, car sa main nous touche. Oui, sa paix est là. Sa présence est là, sa présence est là, et sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main puissante te touche, sa main nous touche, et sa présence est là, sa présence est là, alléluia, et sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Elle te fait du bien. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Alléluia. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Jésus est là. Sa présence est là. Jésus est là. Jésus est là. Et sa main te touche. Sa main te touche, sa main nous touche, sa main nous touche. La présence de Jésus est là. Alléluia. Sa main nous touche, elle te guérit, sa main, elle te restaure, la main de Jésus. Elle te rebâtit, la main de ton sauveur. Alléluia. Jésus te fait du bien. Sa main te fait du bien. Sa main panse tes blessures. Alléluia. Jésus est là, il est là près de toi. Jésus est là, ne
le sens-tu pas? Jésus est là. Il est toujours là. Jésus est là. Il ne te quitte Jésus pas. Jésus est là. Jésus est là. Toujours là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Et Jésus est là. Jésus est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. T'amène plus haut, sa gloire est là, dans sa présence, sa gloire est là, dans la gloire de Jésus. Monte dans sa gloire, monte dans sa gloire, monte dans sa gloire. Jésus est là, monte dans sa gloire, 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 et ses délices sont là. Il y a d'abondantes joies dans sa gloire. Ses délices sont là, ils sont pour toi. Alléluia. Entre dans sa gloire. Oui, ses délices sont là. Entre dans sa gloire. Oui, ses délices sont là. Entre dans sa gloire. Ses prémices sont pour toi. Oui, entre dans sa gloire. Oui, ses prémices sont pour toi. Entre dans sa gloire. Oui, ses délices sont pour toi. Entre dans sa gloire. Viens, écoute sa richesse. Entre dans sa gloire. Viens, écoute son amour. N'aie pas peur de sa gloire. Monte plus haut, monte plus haut. Oui, viens savourer sa gloire. Et encore plus haut. Entre dans sa gloire. Va encore plus haut. Oui, monte dans sa gloire. Il t'amène plus haut. Il t'appelle dans sa gloire. Il t'amène plus haut. Oui, monte dans sa gloire. Plus haut, plus haut. Monte dans sa gloire. Pour son intimité. Monte dans sa gloire. Pour le lieu très saint. Entre dans sa gloire. Dans ce lieu élevé. Entre dans sa gloire. Dans ce lieu très saint. Repose-toi dans sa gloire. Dans ce lieu très saint. Repose-toi dans sa gloire. Dans ce lieu très saint. Et nous contemplons ta gloire. Nous avons nous tout contemplons peine. Ta gloire. Contemplons ta gloire. Nous contemplons ta gloire. Nous contemplons ta gloire. Alléluia. Nous contemplons ta gloire. Nous contemplons ta gloire. Nous contemplons ta gloire. Nous contemplons ta gloire. Jésus, nous contemplons ta gloire. Nous contemplons ta gloire. Nous contemplons ta gloire. Contemplons ta gloire. Jésus. Choses sont accessibles, nous avons tout pleinement. Tout est possible à celui qui croit, contemple sa splendeur, c'est du sang sur toi. Oui, tout est possible à celui qui croit. Contemple sa splendeur.
Oui, c'est du son sur toi. Alléluia, t'es possible à celui qui croit. Contemple sa splendeur, car c'est du son sur toi. Oui, tout est possible à celui qui croit. Contemple toute sa splendeur, car ses yeux sont sur toi. Oui, ses yeux sont sur toi. Oui, ses yeux sont sur toi. Oui, ses yeux d'amour sont sur toi. Ses yeux d'amour sont sur toi. Il te chérit. Ses yeux d'amour sont sur toi. Oh oui, il te chérit. Ses yeux sont sur toi. Oh oui, tu es sa perle de valeur. Alléluia. Tu as du prix à ses yeux. Il t'aime d'un amour éternel. Ses yeux sont sur toi. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Oh, ne doute jamais de cet amour. Il t'aime de l'amour éternel. Il t'aime de l'amour éternel. Il t'aime de l'amour éternel. Oh, Jésus. Il t'aime de l'amour éternel. Alléluia. Reçois son amour aujourd'hui. Reçois la profondeur de son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qui avait le plus précieux. Il a donné son Fils unique par amour. Car tu avais du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Jésus, nous avons tout pleinement. Il est tellement bon. Il est tellement bon.
J'aimerais se terminer avec ce verset dans Psaume 16 qui dit « Tu me fais connaître » Psaume 16, verset 11 « Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie » Alléluia. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Quand on est au cœur de sa présence, il nous fait goûter ses mets succulents. Il est si bon. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que sa présence vous environne. Que sa gloire se répand dans votre foyer maintenant. Nous déclarons la vie sur vous et la vie en abondance. Vous êtes bénis et hautement favorisés en tout. Amen. Alléluia, Jésus. Je vous inviterai seulement à fermer vos yeux, à mettre juste les mains peut-être devant vous, juste en signe de réception, pour être prêt à recevoir, juste positionner votre corps à recevoir une dernière touche de papa. Seigneur, ta parole nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait vient de toi. Seigneur, merci pour cette rencontre, Seigneur, ce moment divin qu'on a vécu avec toi. Merci, Seigneur, parce qu'on sait que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, que tu es avec nous, que jamais tu vas nous abandonner. Alors, merci, Seigneur, parce que tu déposes sur nous, Seigneur, juste un manteau, Seigneur, de ta présence, Seigneur Jésus, afin qu'on puisse être juste plus rempli pour plus donner, Seigneur Jésus. Ta gloire est là, Papa. Ta gloire est sur nous maintenant. Seigneur, tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci à Pasteur Mathilde d'avoir été avec nous, de nous avoir honorés par ta présence. C'est un plaisir. Donc, on va pouvoir le dire ensemble. Donc... Rappelez-vous de ceci jusqu'à la prochaine fois. En Jésus-Christ, vous êtes richement bénis.